Bonsoir, ce dimanche était largement estival, mais attention aux orages qui éclatent ce soir dans le sud-ouest. Ils vont se décaler cette nuit progressivement vers l'Auvergne, puis du côté du Languedoc. On les retrouvera demain du côté de la Provence. Ces régions sont placées en vigilance de niveau jaune, une dégradation un peu moins marquée que la précédente, mais on attend quand même des orages parfois marqués. Vous retrouverez ces derniers demain matin du côté de la Provence. Il y aura globalement de l'instabilité sur la plupart des régions, avec un front entre le sud-ouest et les régions de l'est, surtout actif dans sa partie est, et puis déjà des averses à caractère orageux sur les régions les plus au nord. Vous retrouverez quand même du soleil du côté du Roussillon ou encore vers la Corse. L'après-midi, instabilité pratiquement partout avec la présence d'un risque d'averses à caractère orageux. Il sera plus marqué sur les régions du nord et vers la Belgique, mais aussi pour le flanc est, avec des orages qui pourront être forts, notamment vers la Provence. Les averses seront beaucoup plus rares vers la Manche, vers l'océan ou encore du côté du golfe du Lion. Les températures de votre lundi matin en hausse, comprises entre 14 et 22 degrés, et l'après-midi elle baisse partout, une baisse très nette par rapport à ce dimanche, avec à peine 20 degrés à Cherbourg, 23 pour Paris et pour Nantes, 24 à Besançon, 25 pour Lyon et tout de même 28 à 31 près de la Méditerranée. Mardi, amélioration pour tout le monde, quelques ondées résiduelles pour le flanc est, surtout entre les Alpes et la Corse, pas mal de vent pour la Méditerranée et les températures seront assez fraîches en cours de matinée, l'après-midi plus ou moins conformes au normal de saison. Mercredi, l'amélioration s'affirme avec un temps très ensoleillé sur la plupart des régions, peut-être une averse pour les Alpes et pour la montagne corse, et l'après-midi s'annonce très estival avec de la chaleur, souvent entre 26 et 30 degrés. La tendance avec jeudi et vendredi, un temps chaud pour la journée de jeudi avec des conditions largement dominées par le soleil, même si un front pluvieux va faire son apparition par les régions bordant la Manche, et puis il va traverser notre pays pour vendredi avec peu d'activité entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. Il va donc faire baisser les températures, mais celles-ci vont repartir à la hausse pour le week-end prochain, et qui s'annonce globalement très estival. Quelques nuages entre la Bretagne et la Belgique, peut-être un orage pour les Alpes, mais globalement ça sera du soleil et de la chaleur. Demain, nous serons le lundi 13 août et nous fêtons les Hippolytes. Bonne soirée à tous et à demain.